Ebere, j'ai besoin de ton aide. Aide-moi à sauver mon mariage. S'il te plaît, fais-le pour moi. Grande sœur, je ne te saisis pas. Je t'ai déjà demandé pardon. Ça n'a rien à voir avec ça. C'est pour autre chose. J'ai vécu qu'avec une autre femme. A-t-il l'intention de prendre une seconde femme? Pas mon problème. Le médecin dit qu'après l'opération, je ne serai pas en mesure de concevoir. Aide-moi, ma sœur, s'il te plaît. Grande sœur, dis-moi que c'est faux. Ok, pas de problème. Je vais y penser. Merci. Mais je dois aussi avoir la vue de ton mari, non? Ok, je lui dirai de venir en parler avec toi. Il n'y a pas de souci. Merci, Ebere. Merci, merci beaucoup. Merci. Merci. Allez, c'est bon, grande sœur. C'est bon, arrête. Ok. S'il te plaît, quand tu parleras avec lui, dis-lui que je suis d'accord. S'il épouse une autre femme, je perdrai ma position. Donc c'est bien entendu. C'est bon, ok. J'ai écouté, non? Oui, c'est bon. Je me calme. Ok, je me calme maintenant. Tu peux partir. Merci. Ebere a accepté de t'épouser. Mais logiquement et d'une façon formelle, il serait mieux que tu en parles aussi avec elle. Qui t'a dit que je continue à vouloir l'épouser? Qui t'a dit que je continue à vouloir épouser ta sœur? Mais quoi? Oh, Obim, s'il te plaît, si tu l'épouses, tout ceci passera, s'il te plaît. Écoute, j'ai trouvé déjà quelqu'un d'autre que je vais épouser, ok? C'est ça ma décision, pourquoi tu me parles encore d'elle? Chica! Non, arrête cette confusion. Tu avais dit que non, que je cherche une personne pour épouser. Et j'ai trouvé une personne que je vais épouser, pas celle que tu pensais, mais une autre personne avec qui je vais vivre et on aura des enfants. Et pourquoi pas Ebere? Pourquoi tu veux une autre femme? C'est comme ça les choses sont censées être. Je vais épouser une autre femme. Je ne vais plus épouser quelqu'un d'autre de votre famille. Est-ce que tu comprends? Chica. Est-ce que je peux boire en paix? Chica, s'il te plaît. Nous ne sommes pas convenus comme ça. Pas de problème, pas de problème. Chica! Pas de problème. Dans tel état, dis-moi qu'est-ce qui ne va pas. Et si les gens passent ici et te demandent qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce que tu diras? Qu'est-ce que tu vas répondre à cette question-là? Mais dis-moi ce qui ne va pas. Pourquoi tu es en train de pleurer? Je n'aime pas ce que tu fais là. Tu dois arrêter maintenant. Est-ce que tu as oublié ce que tu m'avais suggéré de faire? Et tu pleures. C'est quoi ta justification? Soit fait.
Ok, ok, ça va. Arrête de pleurer. Dieu, pourquoi cette souffrance toute ma vie? Je vais le faire. Faire quoi? Je vais ta soeur. Qu'est-ce que tu as dit? J'ai dit que je vais épouser ta soeur. On y va. J'ai dit entendu. Je vais épouser ta soeur. Merci. Tiens-toi debout. On y quand? Va. Demain? Je vais parler avec elle demain. Lève-toi. S'il te plaît. Tu en parles avec elle demain? Lève-toi, on y va. Je vais parler avec elle demain. Lève-toi, on y qu'est-ce va. Qu'est-ce qui viendra après? Je vais parler avec elle demain. Écoute, je suis prêt à l'épouser. Hein? Je vais l'épouser. Arrête juste de pleurer. Et tu vas l'épouser? Oui. Ok. Merci. 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 Comment tu vas?
Je veux bien, je suis là juste pour quelques minutes. Ok, pas de problème, pas de problème. Oui, j'étais un peu étrange au téléphone. Juste que je voulais... C'est bon. Tu peux initier le processus. Ma soeur m'a tout dit. Je le ferai si c'est ça qui va la rendre heureuse. Je suis d'accord. Tu es d'accord? Oui. Oh, merci. Merci beaucoup. De rien. Merci. Je vais m'en aller. Ok. Bye bye. Je vais t'appeler. Papa. Papa, j'ai quelque chose à te partager. Ma fille, si c'est de l'argent que tu veux, je te donnerai plus d'argent. Et ce n'est pas au sujet d'argent. Combien veux-tu? Et ce n'est pas au sujet d'argent, papa. Alors, de quoi s'agit-il? Et Chico veut venir te voir. Papa, quand il viendra, écoute tout ce qu'il aura à te dire. D'accord, papa. Merci. Détends-toi. Attends seulement. Sois juste calme, mon ami. Oui, monsieur. Je vous ai amené mon ami ici. Mon ami ici, celui dont je suis très fier, Chukwuka Dibia. Hein? Il est ici pour brancher une deuxième prise. Dans votre maison, votre petit-fils. Mon ami, j'ai pas le temps pour les paraboles futiles. Va directement au point. Mais calme-toi enfin, ce chaman il part. Ce que j'essaye de dire ici est que... nous sommes là pour Eber. Mon ami Chukwuka Dibia ici présent. Chukwuka Dibia. Oh, Chukwuka Dibia. Ouais, il veut épouser Eberé. Quelle surprise. Oui, une bonne surprise. Attends, elle viendra vous saluer, hein? Oh, mais ce monsieur a beaucoup changé. Oui, je suis là avec toi. Hey! 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 Idiot. Chukwuka Dibia. Chukwuka Dibia. Non. Hein? Ce n'est pas le moment de Chukwuka Dibia ici. Hein? C'est quel genre de beau-père comme ça? Cet homme est vraiment brutal. Je ne vais pas en parler. Laisse-moi juste réfléchir à tout ça. Là, tu veux dire quoi? Que veux-tu me dire par là? On devrait être en train de remercier Dieu d'avoir sauvé nos vies. Mais écoute ce que toi tu dis là. Mais qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Tu peux aller chez toi à la maison. Laisse-moi réfléchir. Et pourquoi ne pas fuir? Pourquoi ne pas fuir? Ah. C'est très important. Hein? Ok, je dois aller chez moi. Non, Chukwuka Dibia. Tu me dis que je dois aller chez moi, c'est ça? Chukwuka Dibia. Ah. Arrête ça pour l'instant. Laisse-moi. Ah. Rentre chez toi à la maison et laisse-moi tranquille. Fais-moi la paix. C'est ce que tu voulais dire. Rentre c'est tout ce que toi, tu peux laisse-moi. Dire. Hein? Moi, je t'ai accompagné. Allez voir ton beau-père. Mais tout ce que tu peux dire, c'est... Hein, ok, très bien. Pas de problème, tu viendras une autre fois. Ah, mais c'est quelle histoire, ça? Ah. Et puis, tu me dis ton nom, c'est Chukwuka Dibia. Chukwuka Dibia. C'est tout ce que tu peux me dire. Obi, comment ça a été? Ah, ton père. Mon père? Ton père. Qu'est-ce qu'il a fait? Il m'a tué dessus. Il t'a tiré dessus? Oui! Oui! Ah,
Je n'arrive pas à comprendre. Il veut vraiment me tuer. Je ne vais plus retourner encore là-bas. Chérie, s'il te plaît, ne te fâche pas. Je vais aller en parler avec lui. Non, tu n'as pas à le faire. Je ne vais plus encore retourner encore là-bas. Je ne vais plus. Quand un père essaie de tuer son beau-fils, n'est-ce pas que c'est une abomination? Je ne sais pas. Il a voulu me tuer dessus. Il a vraiment voulu le faire. Vous êtes sérieux? Oui. Chérie, s'il te plaît, je vais en parler avec lui. Non, tu n'as pas à le supplier. Non. Moi, je n'irai plus jamais là-bas. Il n'y a pas à en parler. Il a voulu me tuer. Hey. Papa, si tu ne me laisses pas l'épouser, je vais mettre fin à cette grossesse et me donner la mort. Papa, il n'y a rien de meilleur que tu puisses faire pour moi. Tu crois que je ne sais pas? Tu crois que je ne sais pas que tu fais tout ça à cause de ton égoïsme? Papa, écoute, ça c'est la dernière fois. Je ne te laisserai plus me dribbler, me foutre la vie. Retiens ce que je t'ai dit. Je ne te laisserai plus ruiner ma vie. C'est quoi ça? C'est mon choix. C'est mon sort. C'est ma vie. Papa, s'il te plaît, laisse-moi faire le choix de ma vie. Ebere, je ne vais pas te laisser ruiner ta vie. Comme je l'ai dit, j'ai le meilleur plan pour toi. J'ai vendu le terrain que j'avais acheté auprès de ma mère. Et il m'aide à préparer des documents pour ton voyage au Royaume-Uni. À UK, à Londres. Que tu vas un peu trop loin avec tout ça. Vas-tu vraiment épouser ta propre fille? Ne parle pas comme si tu ignores le plan. Maintenant que ton plan a échoué, pourquoi ne la permets-tu pas de se marier? Chika est celui qui l'a engrossée et demande à l'épouser. Permets-leur. Permets-leur, oui. Aidez Kobe. Je t'ai appelé 3 bonnes fois. As-tu au moins pris la peine de regarder ta fille Ugochi? Elle a perdu son poids et elle est malheureuse. Et je crois bien que tout ceci arrive parce qu'elle s'est trop inquiétée. S'il te plaît. Je comprends que c'est elle la personne qui a supplié Ebere d'épouser Chika. Permets-leur de se marier. Vas-tu épouser ta fille à la fin? Je dis n'importe quoi. Il m'a même tourné le dos. Ok. Pourquoi tu ne m'as pas parlé de ça depuis tous ces temps? Pourquoi me l'as-tu caché? Maman, j'ai très honte de moi-même. Je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas du tout ce que je peux faire. Tout ce que je sais est que je ne vais pas perdre mon mari. Je l'aime beaucoup. Je ne veux pas qu'il épouse une autre femme qui n'est pas mon sang. Hey. Ebere. Ebere! Maman, viens. Maman, tu m'as appelé. Mais toi, nous devons unir nos forces et trouver ensemble une solution à ces fameux problèmes. Quel problème, maman? Le problème de ta sœur.
Maman, j'ai fait de mon mieux. Je ne sais pas ce que vous voulez encore que je fasse. Héberi, je vais me débrouiller pour que tu puisses te marier avec Chick à la mairie. Non, je ne veux pas de mariage civil en secret. Dans ce cas, que veux-tu qu'on fasse? Comment allons-nous résoudre ces problèmes? Maman, je ne sais pas. Écoutez, tout ce qui me préoccupe maintenant, c'est de savoir comment me préparer pour mon voyage pour la terre de la reine d'Angleterre. Qu'est-ce qu'elle dit? Je voyage bientôt. Je me prépare pour aller à Londres. Oui. Hein? Et qui va te faire voyager? Papa, bien sûr. Qui d'autre? Papa? Qu'est-ce que tu racontes? Je suis confuse. Écoute-moi, il faut que tu te calmes. Il faut que tu te calmes. Nous devons procéder avec beaucoup de sagesse. Tu me comprends? Aussi, tu sais que tu n'as pas encore payé sa dot. Alors? Ça aussi, c'est la vérité honnête. Non, mais attends. Non. On ne va pas les laisser prendre ton enfant. Élever ton enfant comme ça. S'il n'a pas d'enfant, il doit. Est-ce qu'il est fou? Mais qu'est-ce qui ne va pas? Ce n'est pas possible. Qu'est-ce qui ne va pas? Non, tu as raison, mon ami. Tu as raison. Oui, ils se prennent pour qui d'ailleurs? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Oui, c'est ça. C'est la première fois que tu es d'accord avec moi. Oui, mon cher, on va rentrer. Chica. Je suis vraiment prête à ce que nous nous battions vraiment pour merci. Ça. Merci. N'importe quoi. Oui. On se bat pendant 7 jours, même 7 ans. Nous allons nous battre pour ça. Pour avoir n'importe quoi. Je ne vais pas laisser mon fils grandir seulement comme ça. Non, ça ne va pas marcher. Ça ne marchera jamais. C'est impossible. Jamais. Tu n'as pas besoin de beaucoup parler. Oui. Tu seras fait demain. Tu sais que demain est déjà arrivé. Laisse demain arriver. Ah, mais c'est au moins du n'importe quoi. Je ne sais même pas. Ah. C'est quel comportement ça? Qui ça? Cet homme-là? Tu t'appelles qui Hitler? Cet homme-là, seulement comme il est là, Hitler. Tu n'as qu'à te calmer. Une fois que demain arrive, directement, nous y allons. Nous irons là-bas arranger les choses une fois pour toutes. Ike! Mon cher! Mon cher, viens, on y va. Mon cher, on part. Mon cher, tu es où? Mon cher. Oui, je suis là. Mon cher. Je suis là. On y va. Calme-toi. Il n'y a pas le temps, on y va. C'est le temps, mon cher, on y va. Mon ami, écoute. Écoute, je ne peux pas aller avec toi. Je veux dire, j'ai fait un rêve terrible aujourd'hui. Mais c'est quoi encore ça? Hier, qu'est-ce que tu disais? Je ne peux pas aller avec toi. Oh. Le rêve là était vraiment très dangereux. Arrête de dire n'importe quoi. Moi, je te connais bien. Tu as peur. Tu as juste peur de te battre. Moi, j'ai peur de te battre. On y va, viens, on part. Mais, on part se battre là-bas. Tu as peur de quoi? On y va. Écoute-moi. Chikadibia, c'est ça mon nom. Chikadibia. Écoute, tu connais ton beau-père, calme-toi. Cet homme là est très dangereux. Il faut que tu te calmes, je t'ai dit vraiment frère, ce rêve est vraiment très dangereux. Mais qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Arrête, ferme-la mon cher. Tu es vraiment bon à rien toi. Si c'est vivre papa que tu as peur. Mon ami, écoute, j'ai pas à me battre moi-même. Moi, ce n'est pas que je pars moi-même me battre là-bas. Je te dis seulement de faire attention. Tu as peur. Oui, tu as peur. Écoute-moi. Reste là-bas, tu as peur. Tu es vraiment têtu, tu ne m'écoutes même pas. Tu es peureux. Regarde-toi. Hey, je vais y réfléchir. Chica, hey! Hey, Ike, Chukukadibia, pourquoi je suis resté? Hey, Chukukadibia, hey, non, pas avec mon ami. Oh mon Dieu! Chukukadibia, je t'avais averti. Je t'ai bien dit, ne pars pas. Hey! Hey! Chukukadibia, juste comme ça. Donc, juste comme ça. Hey! Non, ça n'arrivera pas. Non, cela n'arrivera pas. Pas avec mon ami. Hey!
Mon cher. Pourquoi tu t'enfuis? Non. Ah, c'est quoi ça? Viens ici. Reviens. Mais qu'est-ce qui va avec toi? Mais reviens, non, hein? Tu quoi dis bien? Mais, je... Viens. Tu quoi dis bien? Viens. Attends. Alors, tu as survécu? Je ne te comprends pas. Mais ça, c'est le vrai, toi? Donc, tu n'es pas mort? Hey, Dieu merci, oh. Je te croyais mort. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Quand c'est moi, j'ai entendu le coup de feu. Tia! Attends. Je fuis. Attends. Je devais fuir, oh. Hey! J'étais là. Tu avais vu? Tu étais là? Bien sûr. Mais... Mais oui, tu n'as rien fait pour m'aider. Tu n'as vraiment rien fait pour aider ton ami. Tu n'as rien fait. Tu as voulu que je vienne ensemble ou quoi? Nous sommes des amis. Je devais m'échapper pour revenir aussi dire aux gens ce qui t'était arrivé. Ah, je suis de Nazareth. Sérieusement, cet homme est vraiment très dangereux. Attends, donc tu étais là. Tu étais là, mais tu n'as rien fait à ton ami. Ah, ma vie est très importante. Tu attends que je meure avec toi ensemble. Toi, tu mourras avant moi. Comment je vais mourir avant toi? Tu es malade. Arrête ça. Dieu merci, tu es en vie. Bon, écoute, Chikadibia. Dieu merci, tu es en vie. Dieu merci, tu es vivant. Ce que tu dois faire maintenant, c'est de m'écouter. Parce que j'avais bien dit ça, mais tu ne m'avais pas écouté. Maintenant, il faut te détendre. Allons voir un féticheur. Il dit bien, il va te fortifier. Attends. Il faut y aller. Pour que si tu veux aller encore voir cet homme-là, tu vas aller là-bas. Quoi qu'il te fasse, ça ne te fera rien du tout. Quoi qu'il veuille te faire, ça ne te fera rien du tout. Mais tout ce que tu dis là, ça n'a pas de sens. Est-ce que tu comprends mon nom? Chikadibia. Mais tu es féticheur ou quoi? Tu veux. Mais Chikadibia, il faut que tu le fasses. Tu es féticheur? Tu l'as fait vraiment? Et moi, ton ami, tu fais ça. C'est juste de te protéger. Pas de problème. On va parler de ce sujet après. Je vais rentrer à la maison. Regarde cet ami. Mais pourquoi tu t'es pas battu? Pourquoi tu m'as pas défendu? Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Chica, ta femme était en train de saigner. Elle s'est évanouie. Ma femme? Évanouie? Évanouie où? Problème sur problème. Elle était à la maison. Nous l'avons emmenée à l'hôpital. Oui. Mais le docteur a dit qu'elle ne la touchera pas sans la présence de son mari. Ah bon? Amène-moi là-bas. D'accord, allons-y. Allons vite, allons vite. J'arrive. Hey, Chikadibia, tu es en route même pour l'hôpital. Hein? Hey! Qu'est-ce qu'il s'est passé? Hey! Dis-moi ce qu'il s'est passé, non? C'est très compliqué. Mon Dieu! Mais pourquoi elle a fait une telle chose? Allez jusqu'à s'empoisonner. Hein? Je vais être heureux. Calme-toi. Je veux qu'il m'en forme soit heureux. Sois un homme. Hey. Calme-toi. Tu comprends? Calme-toi. Tout ira bien. Mais pourquoi elle nous met dans des problèmes comme ça? Ou pourquoi tu mets dans des problèmes? En ce moment, je m'en fous de ce que mon homme veut dire. Amène-moi ces mains là-bas. Amène-moi. Que je t'amène où? Amène-moi là-bas. Mais que je t'amène. Mon nom c'est Chikadibia. Je m'en fous de ce qui se passe encore. À propos de mon nom, amène-moi juste là-bas. Amène-moi seulement là-bas. Okay? Calme-toi un peu. Amène-moi. Détends-toi, relax. Amène-moi. Tout ira bien. Chukuka dit bien. Oh, désolé. Jeune homme, sais-tu que ce charme va se retourner contre toi quand tu seras un peu plus grand que ça? Qu'est-ce qu'il y a à voir le futur? Hein? Moi je veux quelque chose de maintenant. Tu me dis quoi faire maintenant et je fais maintenant et tout se passe maintenant. Ah! Sais-tu également que ce charme ne marchera pas sur la terre où Anunueb est enterré? Je n'aimerais pas savoir où Anunueb était enterré, où elle est enterrée en ce moment. Ok? J'aimerais ça de la passer de mon beau-père. Je viens finir avec cet homme. Parce que depuis qu'il a commencé avec son stupide jeu là, une petite dispute, voilà, il va sortir son âme. Moi, je vais en finir avec lui, avec faire des pouvoirs mystiques sur lui. C'est tout ce que je vais faire. Anubé, c'est quoi? C'est quoi encore ça, Anubé? Calme-toi, garde ton calme. Jeune homme, pour la dernière fois, ce charme se retournera contre toi dans le futur. Devrais-je tout de même le préparer? Mais si monsieur parle beaucoup, calme-toi. Ogadibia, j'ai besoin de ça. Maintenant. Je viens en finir ça avec cet homme. Laissez-moi finir avec cet homme. Très bien. Dans ce cas, donne-moi quelques temps, je vais le préparer. Y a pas de problème, tu peux commencer, on est là. Non, vous pouvez partir et revenir. Tu dis? C'est ça.
Pour combien de temps déjà? Fais vite déjà. Ok, nous avons compris. Nous allons partir de venir plus tard. Vous devez partir. Ok, très bien. Merci beaucoup. Vous pouvez y aller, vous en faites. Lève-toi, on y va. Tout va bien. Lève-toi. Nous allons revenir. Les hommes de nos jours, toujours ils sont pressés. Mon ami, qu'est-ce qu'il y a? Oui. Tu l'as bien entendu. J'allais même oublier. Hein? Il faut mâcher ce qui est noir et le liquide tu mets dans tes oreilles. Chukou Kadibia. Chikadibia. Oh, Chikadibia. Tu as entendu ce qu'il a dit? Je devrais mâcher. Mâche ce qui est noir. Le liquide tu mets dans ton oreille. Ce qui est noir et mettre le liquide dans les oreilles. Mâcher le noir et mettre le liquide dans les oreilles. Tu oublies encore ce qu'il a dit, n'est pas touché à la femme. Oui, ça aussi c'est très important. Très important. N'utilise rien qui soit huilé. Évite tout ce qui a de l'huile. Reste loin de tout ce qui est huile. Aucun problème, je ne vais même pas manger aujourd'hui. Je serai qu'un végétarien. Végétarien, aucun problème. Je vais aller directement là-bas et récupérer Ebere sans problème. Je comprends pas, allez où? Aller récupérer Ebere, non? Mais c'est quoi ton problème? Laisse-la se refroidir au moins au nom du ciel, mon frère. Non, non. Frère, pourquoi? En tout cas, j'aime les choses chaudes. Parce que cet homme a fait les choses très chaudes, alors il en aura très chaud. Mon père va sentir en chaleur. Va à la maison d'abord. Calme-toi, va voir ta femme. Prends soin de ta femme. Tu vas le faire demain. Te tenir comme un homme et le faire face. Il faut te calmer. Tu vas en finir de demain. Hein? Pour l'instant, va d'abord à la maison. Ok. Ok. Merci. Ok. Il n'y a pas de problème. On met le noir, les noirs. Ebere, j'ai essayé à maintes reprises de causer avec toi, mais tu fais la sourde oreille. Mais tu peux aider ta sœur. Elle a failli mourir aujourd'hui. Sais-tu qu'elle avait pris du poison? Ni t'était grâce à Anne, qui l'avait vue en train de vomir du sang. Elle serait morte en ce moment. Oh. Ta sœur allait mourir. Maman, de quoi même tu parles? Hein? Donc, tu souhaites que je sois une deuxième femme du mari de ma sœur à la place pour moi de voyager pour la terre de la reine Elisabeth? Est-ce que tu t'entends parler? Ah. Est-ce que c'est vraiment toi qui dis ça? Mais j'ai pensé qu'on avait déjà discuté à propos de ces problèmes. Mais pourquoi as-tu changé d'avis? Oh, n'ai-je pas droit de changer d'avis? Maman, tu essaies de dire que moi, étant qu'un être humain, je n'ai pas droit de changer d'avis, étant qu'une femme aussi adulte que je suis. Je n'ai donc pas le droit de changer d'avis, maman. C'est ça ce que tu essaies de dire? Maman, laisse-moi te demander. Sois sincère. Si toi, tu étais à ma place, préférerais-tu rester dans ce village, étant qu'une deuxième femme, à la place d'aller au Royaume-Uni? Maman, dis-moi. Non, sois sincère. Maman, allez, arrête. Ce que tu dis, ça commence à m'énerver. Ça ne m'arrange pas du tout. Ça m'irrite. Arrête. Vous m'haïssez autant. Je ne vous comprends pas. Maman, s'il te plaît, ne me raconte plus ce genre de choses. Ça ne m'arrange pas du tout. Ebere, ma fille. Papa. Je suis toujours fier. Merci, papa. Ouais, j'ai déposé de l'argent sur la table pour toi. Hein? Utilise ça pour acheter de nouveaux habits pour toi. Ok? Papa, écoute, j'ai quelque chose à te dire. Hein? À partir d'aujourd'hui, tu n'es plus papa. Tu deviens daddy. Ah. Tu sais pourquoi? Parce que c'est seulement les daddy qui font voyager leurs enfants à l'étranger. Tu peux dire papa, merci. De rien, ma fille. Je me dépêche pour les shopping. Hey. Ok. Pourquoi tu es là? Tu es venu voir quoi? Ike, s'il te plaît, je veux que tu dises à Chika d'arrêter d'aller chez sa belle famille. Dans mon rêve, je l'ai vu se faire tuer par balle. Non, arrête ça. C'est vraiment amusant. Vraiment amusant. Je veux dire, depuis quand tu es devenu un voyant, je n'arrive pas à comprendre. Et que le message est très important. S'il te plaît, essaie de transmettre à Chika ce que j'ai dit. Je vais te dire quelque chose, d'accord? Avant qu'un homme n'accepte une bataille, il est déjà bien préparé pour ça. Donc ne panique pas, Chika est déjà bien prêt. Il est bien prêt pour ça, donc ne panique pas, ok? Et que j'espère que Chika est prêt. J'espère qu'il s'est vraiment préparé.
Mais s'il te plaît, essaie de lui transmettre mon message. Très important. Écoute un peu ce qu'il vient de dire jusqu'ici. Qu'est-ce que... Mais Chika est bien préparé, oh. Cela veut dire que le charme va échouer? Non! J'ai confiance en mon féticheur. Lui-là, il n'échoue jamais. J'ai confiance en lui. Ça marchera. Mais attends un peu. Il nous faut prendre des dispositions. Oui, il faut vraiment que nous le fassions. Je dois parler de ceci à Chika. C'est maintenant le temps. C'est le temps. Oui. Boire celui qui est liquide et mettre ce qui est noir dans les oreilles. Prends le liquide et mets le noir dans les oreilles. Mabiao, je suis rentré. Oui, je suis prêt pour toi. Oh, je suis rentré. Hello. Montre-toi les beaux pères qu'il n'a père. Je suis prêt pour toi aujourd'hui. Sors. Viens, je vais te montrer combien de fois je suis un noir. Je suis là pour toi, attends. Je suis là pour toi. Hein? Qu'on en finisse aujourd'hui. Hein? Je suis venu prendre mon enfant. Mon enfant et ma femme. Je vais, ma femme et mon enfant, maintenant. Je vais partir avec eux. Chika. Oui? Pourquoi tu as décidé d'embrasser la mort? Et toi, pourquoi tu as décidé de devenir kidnappeur? Pourquoi tu veux perdre ta vie? Pourquoi tu continues à garder ma femme et mon enfant? Pourquoi? Amène-les ici. Je n'ai pas le temps pour les fidélités. Chika, s'il te plaît. Quoi? Je t'en supplie, hein? Nous pouvons résoudre ces problèmes sans querelles. Je n'ai pas le temps pour les querelles. Je suis venu pour prendre ma femme et mon enfant. Tu penses que c'est ça être un homme? Tu pars, tu kidnappes ma femme et mon enfant. Moi, je veux ma femme et mon enfant maintenant. Je ne pars pas ici sans eux. Est-ce que madame, tu veux rentrer avec ta femme et ton enfant? Ma femme et mon enfant. Très bien. Hein? Juste oui, fantastique. Ouais, prends la bonne décision. Prends la bonne décision. Amène-les ici. Chika, écoute. Hein? Tu es mon beau-fils. Hein? Et je n'aimerais pas que quelque chose de mal puisse t'arriver. Okay. Rentre à la maison. Non, je suis prêt. Je lui avais vu essuyer son âme ce matin. Avant que quelque chose ne t'arrive, s'il te plaît. Non, c'est quoi ça? S'il te plaît, n'utilise pas cette arme. Quand la mort frappe à la porte, le chien ne perçoit pas l'odeur des esclaves. Je n'ai pas peur de toi. Non, Pourquoi tu tirais sur lui? Hein? Vas-tu te taire ici? C'est ton beau-fils. Calbo. Naï, il y a des balles à l'intérieur. Arrête. Il y a encore des balles à l'intérieur. C'est pas bien. Va à l'intérieur. Va à l'intérieur. S'il te plaît, arrête ça. Okay, arrête. Va à l'intérieur. Ok, c'est bon. Va à l'intérieur. Je pars à la maison. Va à l'intérieur. Oui, d'accord. Je suis Edekobi. Et c'est ma famille ici. Et je peux contrôler ma famille. Personne ne me dit ce qu'il faut faire. Idiot. Tu veux emmener ta famille? Où? Qui t'a donné l'audace? Idiot. Regardez-le comme une banane pourrie. Viens encore. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Mais qu'est-ce que tu as comme ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Montre-moi c'est quoi? Mais comment c'est arrivé? Mais ton Didier là, c'est faux! Il ne faut pas l'appeler comme ça! C'est faux! Ton féticheur est un faux! Attends! Hein? Il ne faut pas l'appeler comme ça! Est-ce que tu as fait tout ce qu'il t'avait dit de faire? Oui! J'ai fait exactement ce qu'il m'avait dit de faire! Chukou, dis-moi, est-ce que tu as touché de l'huile? Quelle huile? J'avais bien pris ça. Qu'en est-il de la femme? Je n'ai touché aucune femme. Mais comment tu l'as utilisé alors? Mais c'est ça! J'ai fait ce qu'il m'avait dit. Bois le liquide et mets ce qui est noir dans les oreilles. Chukou, dis bien, mais pourquoi? Mais qu'est-ce qu'on ne comprend pas avec toi? Hein? Je t'ai averti. Comment il fallait l'utiliser? C'est quoi le problème? J'ai dit de mâcher ce qui était noir. Et le liquide, tu mets dans ton oreille. Mais pourquoi tu ne veux pas toujours comprendre? C'est ce qu'il avait dit. Non, il a dit que tu devais t'envoler. Qu'est-ce qu'il y a avec toi? Mon cher, amène-moi à l'hôpital, s'il te plaît. Amène-moi à l'hôpital. Parce que nous sommes des amis. Je serai pas mes. Tu t'es averti. Aide-moi. Amène-moi à l'hôpital.
Tu n'écoutes pas. Je t'ai averti. Écoute-moi. Mon cher, tu veux pas. Arrête de parler. C'est toi qui m'avais donné la mauvaise version. Tu t'avais dit comment l'utiliser. Voilà ce qui est arrivé. Quand tu dis quelque chose, fais comme tel, hein? Ce n'est qu'une égratignure. Dieu merci, ce n'est que ça. Hein? Va à l'intérieur, prépare-toi quelque chose et mange. Je vais chez moi faire à manger pour ta femme. Je l'amènerai à l'hôpital. Mon cher, tu connais un docteur qui peut me donner un truc qui peut calmer cette douleur. Un truc de très fort, quoi. Dis-moi un peu, es-tu ingrat jusqu'à ce point? Tu es vraiment un homme ingrat. Vraiment ingrat. Un truc qui a dit bien. Ton soi-disant beau-père t'a fait ça. Je t'ai amené à l'hôpital et tu ne m'as même pas dit merci. J'ai dit que je veux faire à manger pour ta femme et le lui amener à l'hôpital. Et tu ne m'as toujours même pas dit merci, tu crois qu'à dire. Mais tu veux que je te remercie, n'est-ce pas, tu es mon ami? Maintenant, tu me demandes de t'amener chez un autre féticheur avec ce que tu viens de connaître là. Si tu veux mourir, tu mourras seul. Meurs seul, je m'en vais. Moi, je vais faire de la nourriture et amener à ta bonne femme. Mais toi, si tu veux mourir, tu peux mourir. Tu veux rester affamé, tu peux rester comme ça. C'est comme si tu n'es pas normal, toi. Tu n'es pas normal. Cette douleur, ça va... Ça va prendre beaucoup de temps. Non. Il faut que je fasse quelque chose. Je dois faire quelque chose. Je ne peux pas rester ici. Et cet homme vraiment m'a tué dessus. Et c'est fini, c'est fini, c'est fini. Ebere. Papa. J'ai fait les arrangements avec la femme qui va t'emmener à Lagos pour tes documents. J'ai aussi fait les arrangements pour que tu accouches à Lagos si tu le veux. Papa, tu souhaites que j'accouche à Lagos? Ouais. Je veux ta sécurité. Je ne veux pas que quelqu'un te fasse du mal. Chika peut chercher à te tuer un jour. Mmh. Ouais. Ok, papa. Merci. C'est bien. Va à l'intérieur, hein? J'aime l'air frais ici, hein? Ebere, ma jolie fille. Amuse-toi. Hey. Hey. Ah, aidez Kobe. Allons-y. Aidez Kobe. Hein? Dis-moi que ce n'est pas vrai ce que j'ai entendu. Tu as tiré sur ton beau-fils? Allons-y. Si tu ne luttes pas ou ne te bats pas à cause du sentier derrière ta maison, ça ne va pas se fermer. Et si il était mort? Hmm? Tu aurais commis un meurtre. Et alors? Je purifierais le sol et avancerais. D'après tout, des gens l'avaient fait avant moi. Que viens-tu juste de dire? Tu m'as entendu. Pourquoi tu me regardes comme ça? Et des Kobe. Imaginez la façon dont il me regardait comme s'il voulait que le sol s'ouvre et m'avale. Je suis Edeh Kobe. Personne ne décide à ma place ce qui se passe dans ma famille. Je sais ce qui est juste pour ma famille et ce qui est bon pour ma famille. N'importe quoi. Qu'est-ce que tu dis d'important? Tu me conseilles de rester dans ce village, comme une deuxième femme, à la place d'aller à Londres. Hein? C'est quoi ça? Eh bien, tu sais, quelquefois quand je te regarde, c'est comme s'il fallait que je te flagelle comme un enfant. Ah! Qu'est-ce que j'ai encore fait, non? Oh oui, mais... Eh bien, tu es méchante. Tu penses que j'ai pas appris tout ce qui s'est passé? Ebere, ta sœur t'a pardonné et t'a même demandé d'épouser son mari afin que ton enfant ne soit pas illégitime. Ebere, tout ce que tu penses faire est de vouloir aller à l'étranger. Essaye de parler à mi-voix. Les gens risquent de t'entendre. Parle lentement, non? Ebere, tu ne veux pas que des gens nous écoutent. Ebere, tu ne veux pas que des gens écoutent notre voix. Ebere, si j'étais Chika, j'allais te tuer pour ne pas me permettre d'avoir mon enfant. Et si j'étais ta sœur Ogochi, j'amènerai ton nom à une déité et te maudirai pour avoir couché avec mon mari. Ah non! Ebere, tu es insensible. Ebere, tu es méchante. Pas jusqu'à ce point, non? Ma maison. Bonjour. Hein?
Je viens chez votre sœur, Ngochi. Elle a dit que vous deviez lui répondre à ce qu'elle vous avait demandé depuis. Quitte. Quitte ma maison et Béré. Comment est-ce? Mais comment ma sœur peut arriver jusqu'à ce point? Béré, tu es méchante. Béré, tu es insensible. Hey. Béré, va-t'en. Je ne l'ai pas fait exprès. Béré, tu es méchante. Béré, va-t'en. S'il te plaît, non. Grande sœur, je suis là. Grande sœur, s'il te plaît, n'amène pas mon nom dans un sanctuaire quelconque. Je ne veux pas mourir. Oh. Tu ne veux pas mourir? Tu ne veux pas mourir? Dans ce cas, rentre à la maison et dis à papa que tu vas épouser Chika. Oui, je vais chercher beau Chika pour le lui dire. Là-bas, là, ton camp. Je vais dire aussi à papa. Bien, arrête. Oui. Va dire à papa que tu vas épouser Chika. Tu ne veux pas mourir? Je ne veux pas mourir. Papa, je ne suis plus intéressée. Allez à Londres. Je ne vais plus y aller. Crois-moi, je ne suis plus intéressée. Pourquoi? Papa, je ne vais pas mourir. Qui veut ta mort? Papa, s'il te plaît, hein, laisse-moi épouser Chika. Laisse-moi l'épouser. Ebere, tu sais que c'est impossible. Je mourrai dans ce cas, parce que au moins mourir, c'est possible. Personne ne peut te tuer. Papa, t'inquiète, tu ne comprends pas. Peux-tu te calmer et me parler? Quel est le problème? Y a-t-il quelqu'un qui te menace? Papa, je t'assure que tu ne comprendras pas. Juste laisse-moi l'épouser. J'en ai marre, papa. Laisse-moi l'épouser, oh papa, j'en ai marre. J'en ai marre, je n'en peux plus. Ebere veut maintenant développer les ailes ou bien elle en a même déjà développé. Ebere, tu as oublié que tu es une fille d'Ede Kobi. Je suis Ede Kobi et personne ne décide ce qui se passe dans ma maison. Personne ne décide ce qui se passe dans ma famille. N'importe quoi. À nos yeux. Ede Kobi. Je t'ai dit que pour qu'Ebere épouse Chika, je n'ai que deux conditions. La première condition est que Béré donne naissance à son bébé dans ma maison. Ou bien, Chika doit me retourner au Gochi et reprendre l'argent qui était la dot qu'il a payé pour elle. Voilà les seules deux conditions.
Après avoir fini de rire, Edekobe, ouais. Comment est-ce que cela sonne dans tes oreilles? Tu veux qu'un homme retourne ta première fille parce que tu veux qu'il puisse épouser ta deuxième fille? Comment? À nos yeux, peu importe comment ça sonne dans les oreilles des gens, bon ou mauvais, je suis Edekobe. Edekobe ne perd en aucun cas. Je ne veux pas perdre dans les deux côtés, donc voilà ma décision. T'es-tu dérangé de demander à ta fille si le problème venait d'elle? Attends un peu, Anosy. Pourquoi suis-tu même venu ici? Pour écouter tes serments et tes jugements? Je t'ai dit que c'est ça ma décision et personne ne peut faire changer d'avis à Edekobe. Edekobe a pris sa décision. Personne ne dirige ma famille pour moi. Maintenant, écoute-moi bien. Comment penses-tu que Chika sera si stupide et désespérée pour retourner sa première femme? Et tu penses que je m'en soucie? Oh, tu t'en fous. Edekobe, tu t'en fous. Je suis en train de te dire tout ceci parce que je suis ton ami et je suis également ton frère. Je dois te dire la vérité. On dit que la vérité blesse, mais elle reste la vérité. Tu peux boucher tes oreilles. C'est pitoyable. Moi, j'ai fait ma part. Maman, j'ai une idée. Vraiment? Parle-moi à propos. C'est parfait. C'est une bonne idée. Nous devons le faire. Il est temps pour nous de nous réunir et d'agir comme une seule personne. Ne les laissons pas gâcher nos plans. C'est ça, ma fille. Lui, on ne lui serait plus faire cette fois-ci. Il essaie juste d'être égoïste. C'est une bonne idée. Approche. Tu as bien réfléchi. Tu es vraiment sûre? Oui. J'avais déjà commencé à le faire. Toi, sois juste relaxé. Tu verras ce que ça va donner. Comme tu l'as dit. Itunese et Obido Dobi sont partants. Ça marche. Je suis désolé de vous mettre dans de telles circonstances. Nous étions destinés à ça. Ça me va. Edekobe. Ouais? Je suis ici avec un message de la cour. Je crois que le roi est au courant de cela. Avec cette lettre, sors de ma maison. Je ne veux pas la voir. Elle s'adresse à toi. Je te conseille vivement de l'ouvrir. Ne dis surtout pas que je n'étais pas venu ici. Anosie, je ne veux pas te forcer à sortir de ma maison. Quitte maintenant. C'est d'accord. Lettre du tribunal. Le roi en est au courant. Est-ce que c'est le tribunal et le roi qui dirigent ma famille pour moi? Je l'ai toujours dit, je suis Edekobe. Ni le tribunal, ni le roi ne peuvent pas décider à ma place pour ma famille. Attendons-les encore un tout petit peu. Oui, bien sûr. Comme ça, s'il ne vient pas, nous allons bien continuer. Bien sûr. Qu'est-ce que je peux bien dire de plus, hein? Une fois. Je pensais que tu ne reviendrais pas. Anosie, quel est l'objet de la célébration ici? Devrions-nous t'attendre aussi longtemps et commencer encore à t'expliquer pourquoi nous sommes en train de célébrer comme ça? Anosie, je t'avais dit de ne pas l'inviter. Et maintenant qu'il est venu... Que veut dire ce que tu viens de dire? Écoutez, je ne suis pas du tout content de la façon dont vous deux vous comportez comme un chien ainsi qu'un chien. Je n'aime pas ça du tout. Nous ne sommes pas ici pour vos problèmes de famille. Nous sommes ici pour nous amuser. Anosie, j'espère que tu ne m'as pas invité ici pour faire la paix avec lui parce que je ne veux pas sa paix. Je ne veux pas faire la paix avec Obodo. Voici Edekobe qui parle. Edekobe, tu ne veux pas ma paix? Ok. Pour commencer, qui a besoin de ta paix? Je n'en ai pas besoin. Anosie,
S'il te plaît, dis-lui. S'il ne veut pas que nous fassions ce que nous faisons ici maintenant, c'est encore mieux qu'il retourne chez lui. Qui l'a forcé de venir ici? Personne ne l'a fait. C'est quoi ça? Obodo. Oui. Obodo. Obodo. Je t'ai appelé 3 bonnes fois maintenant. Je suis là, j'étais très bien entendu. Je n'ai plus besoin d'entendre ces stupidités venant de vous. C'est ce que ça veut dire. Si vous ne voulez pas vous respecter tous les deux comme des grandes personnes, alors respectez-moi au moins. Oui, c'est ça. J'espère que je suis clair. C'est ça pour toi. Hein? Je vous en prie. Je veux que vous vous comportiez comme des grandes personnes. Anosi. Oui? Tu viens de m'insulter. Anosi, tu viens d'insulter Edé Kobi. Edé Kobi. Je ne t'ai pas du tout insulté d'une quelconque manière. Parce que tous les deux aviez échoué. Vous n'aviez pas réussi à vous comporter tous les deux comme des grandes personnes. Comme des frères. Bien. Trinquons. Oui, moi je vais boire. J'ai vraiment envie de boire. Je crois même que si on prenait ta part ici maintenant, on pourrait même récupérer la sienne. Non, mais certainement. Je n'ai pas de problème, moi. Oui. J'espère qu'il y a assez de boissons pour boire. Vous savez que je bois beaucoup. Aidé Kobi, serre-toi s'il te plaît. Mais oui, c'est quand même mon frère aîné. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Aidé Kobi, aide-toi toi-même. Na, bois. Mais oui, donne-moi, c'est la boisson que j'aime. Que puis-je dire? Tu sais combien j'aime cette boisson. Que puis-je dire? Ah, je vais boire. Laisse-moi, je vais te servir. Tiens. Edé Kobi prend, non? Bon, d'accord, je le mets là, ok? Si tu veux prendre de la bière, vas-y. Il en a déjà 2 devant lui. Regarde-moi ça. Alors? Mon cher, serre-toi. Buvons, ça m'avait vraiment manqué. Ah ah! Bien, viens nous prendre en photo, oui. Viens, tu vas nous prendre en photo. Prends-le en photo. Prends-moi en photo. Prends au bout d'en photo. Personne ne peut dicter Edé Kobi. Serre-toi au moins. Écoute, Yvon, ça m'avait vraiment manqué. Santé. Mon ami, serre-toi, je t'en prie. Oh, mes gens, mes félicitations. Félicitations à vous. Merci beaucoup. Et vous formez tous les deux un beau couple. Oui, Ike. Qu'est-ce qui se passe ici? Mais mon frère. Qu'est-ce qui se passe ici? Tu n'as pas vu qu'il vient juste de se marier? Quoi? Mariage civil. Oh, donc, Chika, tu veux ma guerre? Je te la donnerai et cette fois-ci, ça va être sanglant. Apprête-toi pour moi. La guerre sera sanglante. Je te promets ça. Je te promets. Hé, Obodo. Obodo. Hey, guerre ce que Dieu a déjà uni, que personne ne sépare. Combat sanglant. Calme-toi. Mais c'est un jour heureux aujourd'hui. Mon beau fils, nous sommes là pour te soutenir. Il ne faut même pas écouter ces menaces-là inutiles. Bienvenue, Naï. Donc tu fais partie de ça, hein? De quoi est-ce que tu parles? Je rendrai ta vie misérable dans cette maison. Traître. Qu'est-ce que je fais? On aura tout vu dans cette maison. Hé, hey, moi, traître. On verra bien. Thank you.
Anosie, peux-tu m'expliquer ce qui s'est passé ici aujourd'hui? Idékobi. Non, tu ris d'Idékobi. En tout cas, explique-moi ce qui s'est passé ici aujourd'hui. Je crois que ton frère Obodo devait te dire ce qui s'est passé ici. Je porterai ce cas devant les tribunaux. Je porterai ce cas devant les tribunaux. Personne ne trompe Idékobi. Idékobi, sais-tu pourquoi est-ce que je suis en train de rire? À quelle cour vas-tu nous emmener au juste? La même cour dont tu as refusé d'ouvrir leurs lettres? Donc c'est là-bas que tu comptes nous emmener tous. C'est ça, ridicule. C'est... Très ridicule. Je dois aller chez le roi pour cette affaire. Je dois aller chez le roi. Ok, ça c'est bien. Le roi est au courant. De quoi? Le roi est au courant. Et il avait donné son aval au niveau de la cour. Idékobi. Cesse de rire, Idékobi. J'ai vraiment fait du mieux que je pouvais pour te faire revenir à la raison. Anosie, je t'avais fait confiance en tant que mon ami. Comment tu as pu me faire ça? Idékobi, la seule manière de voir la raison, c'est de raisonner raisonnablement. Je ne t'ai rien fait de mal du tout. Tu es mon meilleur ami. Anosie, je ne suis pas ton ami. Je ne suis plus ton ami. Nous ne sommes plus amis. En fait, je m'occuperai de vous tous impitoyablement. Au moins, moi, je suis ton frère. Tu n'es plus mon frère. Je vous paralyserai tous. Je suis Idékobi et j'ai parlé. Idékobi, tu ne feras rien de tel. Ah, je vais me détendre avec cette bière. Ah. Obodo, attendons ton frère Idékobi. Je sais qu'il sera très bientôt ici. Je le crois fermement. Aucun problème, il peut venir. Ah, voilà qu'il arrive. Oh, bien, 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 bien. Bienvenue. Allons-y. Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Quel est ce genre de chaise que tu as réservé pour moi? Idékobi, il n'y a rien de mal dans cette chaise. Il n'y a rien de mal avec cette chaise. Allez, il n'y a rien. Assieds-toi seulement. Soupçonne. Qui a envie de te tuer, toi? Pourquoi Idékobi? Oui, je l'ai fait. Idékobi, il y a un dicton qui dit « L'art de la réussite, c'est celui de la réconciliation. Il est grand temps que tu te réconcilies avec ton frère. Qui? Il est temps pour toi que tu te réconcilies avec ton petit frère. Idékobi, mon frère. Arrête. Qui est ton frère? Je sais quelle est la source de tous ces problèmes. Laisse-moi au moins terminer mon idée et à la fin tu pourras parler. Je sais que c'est à cause de ce que je t'avais dit autrefois sur notre terrain. Je vais seulement parler pour parler. Il ne faut pas le prendre très au sérieux. Ce n'est pas ça qui va finalement nous séparer comme ça, mon frère. Je t'en supplie. Je t'en supplie, assieds-toi haut et vivons. Au nom de la paix. Obodo, tu parles à Idékobi. Donc c'est ton plan de m'empoisonner afin d'avoir le terrain tout seul. Ça ne marchera pas. Tu es trop petit pour sortir avec ce jeu contre moi. Ça ne réussira pas. Obodo, Anosie, je ne veux pas ta paix. Obodo, je ne veux pas ta paix. Et toi, Anosie, ne m'appelle plus jamais pour une telle réunion. Idékobi, mon frère. Idékobi. Tu te lèves vraiment pour partir comme ça? Idékobi, Anosie, reviens. Anosie, dis-moi que j'ai fait le premier pas. J'ai été appelé pour faire la paix, mais c'est toi qui es parti, oh. Idékobi, reviens. Hein? Toi-même, tu as vu, oh. Tu as bien vu toi-même. Moi, j'ai fait ma part. Salut. Oh, Obimere, viens, c'est bien que tu sois là.
Prends place, prends place. Assieds-toi. Prends place, n'aie pas peur. Prends place, s'il te plaît. Relaxe. Ichi, c'est quoi cette nouvelle que j'apprends? Obimere, Ichi, s'il te plaît. Je veux que tu m'aides à la ramener. La ramener? Ouais. Comment? Je te payerai un grand montant d'argent. Va chez le roi. Dis au roi que tu es responsable de sa grossesse. Ichi, le roi m'a déjà convoqué et je lui ai dit la vérité. Owamezioku, alors pourquoi tu es là? Alors va-t'en, va-t'en! Non, 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 je m'en vais déjà. Cette somme d'argent, j'épouserai une autre femme. Très belle même. Je ne vais pas rater ça. Non, je ne vais pas le rater. Je vais retourner. J'y retourne. Tu as dit que tu vas me payer. Obimere, je ne suis pas en train de m'amuser. Bien, je suis prêt à faire le job aussi longtemps que le marché est bon. Je le ferai. Qu'en est-il du roi? Oublie le roi. Je sais ce que je vais lui dire. De combien est-il question? 100 000 naira. Ça, c'est petit, non? Ça, c'est petit. Que ça soit 200 000 naira. 200 000. Obimere, où vais-je trouver ce montant d'argent? Ichi, sois honnête. Sois honnête. Toi et moi savons qu'il n'est pas longtemps que tu as vendu une parcelle de terrain. Donc tu as de l'argent. Tu as de l'argent. Arrête de faire ça. Tu as de l'argent. Ça va. 200 000 naira, c'est conclu. Ichi, tu es un homme. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Il faut que j'ai une partie du paiement, non? Bien sûr, je te donne une partie de l'argent. Bonne affaire.
Le voici. Chai. 100 000 naira. Une partie du paiement. T'es sérieux, c'est au complet? Ouais. Fais confiance en Obi Mere. Je ferai le job, certainement. Bye de Kodo, je te fais confiance. Ichiojo, le travail sera accompli. Es-tu sûr que ceci n'est pas un piège? Non, es-tu sûr que ce n'est pas un piège? Aidez Kobi, le même qui nous avait fait cela. Celui qui donne les têtes et puis les reprend, c'est comme ça qu'il est. Je suis presque sûr qu'il ne t'aurait jamais donné autant d'argent. S'il avait su que cela aurait mal tourné. Papa, j'ai tout planifié et je sais que ça va marcher. J'espère que ce soit le cas. Mais comment vas-tu parler pour ton cas ainsi que pour Ebere en même temps? Papa, ce que je veux de toi, c'est l'encouragement, non? Encourage-moi. Si c'est vraiment ce que tu me demandes, c'est fichu d'avance. Je ne vais pas t'encourager. Papa, j'irai voir un Dibia demain. Ok, c'est très bien. J'espère que cela va marcher exactement comme tu l'as prévu. Mais, tu dois être bien plus intelligent que tout le monde. Oui, papa, je le serai. La femme en question est ta femme. Alors pourquoi l'enchanter? Je veux un charme qui lui fera me croire. Crois tout ce que je lui dis. Même quand je lui mens, elle me croira toujours. C'est ce que je veux. Est-ce bien tout ce que tu veux? C'est tout ce que je veux. Obi Mere. Mais pourquoi tu as cette tête comme ça? D'abord, où vas-tu? Tu vas aller tuer quelqu'un? Et que j'en ai assez. J'en ai assez. Je vais leur apprendre une leçon qu'ils ne font jamais oublier. Il faut d'abord faire attention avec ça. Doucement. Je le pointe vers eux. Parce que je vais leur apprendre une leçon qu'ils ne vont jamais oublier. Mais qui sont-ils? Tu parles de qui même? Une leçon qu'ils ne vont jamais oublier. Moi? Qu'est-ce qu'il y a? Parle-moi, Obi Mere. Je suis là. Je t'écoute. Okay. Ebere porte mon enfant. Ebere? Ouais. Ebere? Mais elle a eu le culot d'aller se marier avec Chika. Peux-tu imaginer ça? Noboda! Oh, non, ne me dis pas ça. N'y a jamais, on verra. Obi Mere, est-ce que tu es vraiment sûr? Donc tu n'as pas appris dans tous ces villages que Chika, mon ami, est celui qui a engrossé Ebere? Si. Ah. Assis. Attends. Jamais. Mais Chika ne l'a pas mise enceinte. C'était moi. J'ai mis enceinte Ebere. Ne dis pas ça. N'importe quoi. Comment donc, es-tu sûr? Tu es aussi? Mais ça, c'est la nouvelle qui est répandue partout dans le village. Non, Obi Mere. N'essaie pas de m'arrêter. Obi Mere. Je vais m'occuper d'eux. Je Obi Mere. Vais m'occuper d'eux. Et tu la Obi Mere. Obi Mere. Ne pars pas comme ça. Viens. Si tu tues quelqu'un, tu seras arrêté, oh. Obi Mere. Mais il se passe quoi, Dieu du ciel? Hein? Chika m'a dit que c'est lui qui a engrossé Ebere. Et Obi Mere vient encore me dire que c'est lui qui l'a engrossé. Mais finalement, qui l'a engrossé? Je n'arrive pas à comprendre cette histoire. C'est quoi? Moi, je vais chez moi. Cette confusion, en tout cas, je ne l'apprécie pas. Ah, je vais chez moi. J'ai aussi mes problèmes à régler. Je vais chez moi. Si quelqu'un, on va t'arrêter.
Ebere, je suis venu pour dévoiler le secret qu'il y a entre toi et moi tout ce temps. Tu sais que l'enfant que tu portes est mon enfant biologique. Est-ce vrai ou non? Je crois n'avoir pas entendu ce que tu as dit. Est-ce que tu peux le répéter? Ebere, la question que je t'ai posée est une simple question qui demande un oui ou un non. Obimere, je me demande, tu continues de t'enivrer? Réponds, tu continues de t'enivrer? Lève-toi et quittons cet endroit maintenant. Pour aller où? Je dis, lève-toi et partons, tu me demandes où? Binye Kai Kweba. Qu'est-ce qui ne va pas? C'est qui lui là? Qu'est-ce que tu fais ici? Hein? Qu'est-ce qui ne va pas ici? Calme-toi. Je ne m'adresse pas à toi, toi voleur de femmes. Je ne m'adresse pas à toi, donc disparais devant moi. Quittons ici maintenant, Ebere. Je dis partons d'ici. Hé! C'est quoi le problème? Ebere, partons d'ici maintenant. Mon cher, quitte là. Quitte d'ici. À qui il parle? Hé! Entre à la maison. Entre à la maison. Mon cher, quitte d'ici. Ebere, quittons ici maintenant. Mon cher, quitte d'ici. Quitte d'ici. Ok. Méfie-toi. J'ai dit quitte ici. Quand tu te tais, je ne te parle pas. Disparais devant moi. Ebere, partons. Mon cher, quitte ici. Pour aller où? J'ai dit quitte ici. Je ne te... Quitte ici. J'ai dit quitte ici. Quitte ma maison. Ebere. Mais qu'est-ce que tu ne comprends pas? Quitte ma maison. Je ne comprends rien. C'est quel genre de comportement tu viens troubler les gens ici? Oh. Il m'a tellement énervé. Moi, je n'aime pas comme ça. Je n'aime pas les histoires comme ça. Obi. Mais qu'est-ce qui lui arrive enfin? Mais pourquoi il est comme ça? Je pense pas que mon ami s'est bien occupé de lui, oui. Ah. Je lui ai dit, Obimere, calme-toi. Nous allons régler cette histoire amicalement, mais lui, il a totalement refusé. Obimere, reviens ici, oh. Reviens, je t'avais prévenu. Tu vois maintenant ce qui est arrivé. Je confesse à mon ami Chukukali bien. Bien, on va bien célébrer ça aujourd'hui. Viens encore prochainement, agresser mon ami, et tu verras la suite. Un homme aussi agressif. Au lieu de venir calmement, voilà ce que tu as voulu faire. Voilà. Prochainement, ça sera même pire que ce que tu as eu aujourd'hui. C'était une bonne leçon pour toi. Obimere, reviens ici, oh. Reviens. Reviens encore. Papa, j'étais allé voir le Dibia et je lui ai dit de faire ce que je voulais qu'il fasse. Il a fait, mais ça n'a pas marché. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Ça n'a pas réussi. Ne t'avais-je pas dit que ça ne marcherait pas? Je t'avais bien dit que cela ne sont que des mirages. Écoute-moi, tout ce que tu feras contre Eddie Kobe ne marchera pas. Tu comprends ça? Rien ne marche contre lui. Cet homme-là est... Il est... Enfin, tu peux comprendre ce que je suis en train de dire. Au moins, tes yeux commencent à s'ouvrir maintenant. Aussi longtemps que son argent est là, tu vas... Rien ne va marcher du tout. Tu comprends ça? Je crois que c'est mieux de... Enfin, nous devons commencer à penser quoi faire d'autre parce que... Sache que aider Kobe va... Oti, salut. Naino. Aider Kobe, qu'est-ce qui t'emmène dans ma maison? Obimere. Comment ça s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé comment?
Qu'est-ce qui s'est passé? Comment? Allez-y, dites-moi. Que veux-tu donc savoir? Es-tu son porte-parole? Bien sûr que je suis Abouche, mon cher. Il est mon fils. Donc, tout ce qui peut le concerner, me concerne moi aussi. Dis-moi pourquoi tu es ici. Je sais que tu as un problème. Et ce problème, c'est ta moustache qui t'a rendu stupide. Écoute-moi très bien. Si tu oses encore prendre ce bâton pour me le pointer, je vais l'utiliser pour te casser la tête là tout de suite ici même. C'est quoi ça? En tout cas, les est-ce que tu es devenu toujours stupide? Laisse-moi te dire quelque chose. Tais-toi. Hey, dans ma maison, tu me demandes de me taire? Vas-tu la fermer à la fin parce que tu m'énerves? Dans ma maison, dans ma propre maison. N'essaie plus ça. N'ose jamais ça aider Kobe. Obi Miri, maintenant que je ne peux pas faire le job que je t'ai demandé de faire, je vais récupérer mon argent. Quel argent? Et je n'ai pas d'argent maintenant. Ok, ça c'est bien maintenant. Il n'y a pas d'argent. Laisse-moi te demander. Es-tu en train de dire que tu n'as pas d'argent en ce moment à me rembourser? Ou bien tu dis que tu ne vas pas me retourner mon argent du tout? Je n'ai pas d'argent à te remettre. Il n'y a pas d'argent. Va-t'en, il n'y a pas d'argent. Il l'a utilisé pour quelque chose, pour le travail que tu lui as envoyé de faire. Et c'était fini. C'est quoi ça maintenant? D'accord. Hein? Obi Miri, j'aime ton courage. Mais n'oublie pas que tu as affaire avec Edé Kobe. Je suis Edé Kobe. Personne ne met en défi Edé Kobe. Personne ne trompe Edé Kobe et reste impuni. Hein? Je te donne 2 jours. 2 jours, je te donne. Edé Kobe reviendra pour son argent. Merci. Sors tout de suite de ma parcelle. Quel argent? Sors de ma parcelle, voilà qu'il parle. Qui a ton argent ici? Voilà qu'il dit n'importe quoi. Edé Kobe, n'importe quoi, je t'avais prévenu. Voilà ce qui se passe maintenant. Fais mon argent. Tu vas me retourner mon argent. Je te connais maintenant. Tu es un frauduleur. Tu m'es beau. Naï. Naï. Tu m'as appelé? Ouais. Je t'écoute. Ce n'est pas une longue discussion. D'accord. Je vais juste t'informer que moi et Edé Kobe, ton mari, je vais me marier samedi. C'est vrai? Ouais. Oh, c'est une bonne nouvelle. Félicitations. Naï, félicitations et bonne chance. Qu'est-ce que tu dis? Félicitations. C'est une bonne nouvelle. Oh, que Dieu soit loué. Je vais avoir une co-épouse. Oh, un instant, j'arrive. Elle n'est même pas gênée. À la maison? Oh ouais, c'est chez moi ici. On est là. Hey. Ouais. J'espère qu'il y a mangé. J'ai faim. Tu as faim? Elisa, tu as mangé depuis qu'on a quitté Ekolobia. Hein? Tu as mangé Okpa. Tu as mangé du poulet. Je me souviens t'avoir acheté du poulet. Hein? Tu as bu 3 bouteilles de malt. Tu as mangé des mangues. Tu as même mangé des noix de cajou. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est pour ça que tu te plains? J'ai dit que j'ai faim. Tu es censé me traiter comme une reine.
Ce que je dis est que tu devrais te reposer. Tu as assez mangé. Ah. Doucement, doucement. Hein? J'ai besoin de manger de la vraie nourriture. Pas de petites choses. D'accord. Hein? La cuisine est là-bas. Ouvre cette porte. Hein? Et va à droite. Et tu trouveras la cuisine. Va préparer ce qu'on va manger. Okay? Tu veux que j'entre dans la cuisine pour préparer? Après tous ces trajets que nous avons effectués? Non, je suis fatiguée. J'ai besoin de manger. Elisa, tu n'étais pas la seule à voyager. Nous avions voyagé ensemble. Nous avons vécu le stress les deux. Ok, va préparer ce qu'on va manger. Hein? Va préparer ce qu'on va manger. Tu essaies vraiment de blaguer avec moi. Je vois que tu n'es pas intéressé à ces mariages. Je rentre à la maison de mon père. Je m'en vais. Attends. C'est pas aller jusqu'à ce point. Assieds-toi. Prends place. C'est pas aller jusque-là. Hein? Assieds-toi. Hein? Dans ce cas, tiens-moi ma canne. Je vais aller acheter du pain et de la sardine. Hein? Du pain et de la sardine. Je suis Dekobi. J'ai de l'argent. Le pain? Et de la sardine. Tu as dit le pain? Et de la sardine. Je n'ai pas besoin de pain. J'ai besoin de la nourriture consistante. Appelle Abou. Piagna, un truc qu'on avale et ça fait boum. Je veux de la vraie nourriture à bout. D'accord, Elisa. D'accord. Prends tes effets et va à l'intérieur. Je n'irai pas à l'intérieur, pas avant que tu ne finisses de cuisiner et que je mange. J'ai faim. D'accord. Naï, c'est pas bien fait, c'est mou. C'est vraiment mou. Trop mou? Oui. J'adore quand c'est dur. Tu comprends? Tu veux déchirer ta gorge? Ce n'est pas tes affaires. Ok. C'est ta peau, c'est bon? C'est très mou. En plus, c'est très élastique. D'accord. Que ce soit pirin, ça va, c'est bon. Hey. Elle doit sûrement être notre nouvelle femme. Née, sois la bienvenue. Mais j'espère qu'il y a de la nourriture dans la marmite. Parce que c'est pas assez, j'ai toujours faim. Mais tu as mangé deux plats? Un? Deux? Ah! Deux plats des apou? C'est des oignons. Je dis que j'ai faim. Rajoute-moi de la nourriture. Ce n'est pas assez ce que je suis en train de manger. Je dois me rassasier. Allez, vas-y, ramène-moi un autre plat. Je ne mourrai pas à cause de toi. Naï, arrête, s'il te plaît. Apporte-moi à manger. Aidez, Kobi. Où est-ce que tu vas? Ta femme a dit qu'elle a besoin... Non, c'est pas ta femme. Ton conteneur, ta nouvelle venue, d'où est-ce qu'elle provient déjà? Du Centrafrique ou soit des États-Unis? Elle a dit qu'elle veut encore plus de nourriture. Tu as intérêt à lui en donner. Oh! Je dis que je suis fatigué. Je suis fatigué. Reviens. Non, je vais pas. Où est-ce que tu vas? Où est-ce que tu veux aller? Je suis fatigué. Je dis reviens, on n'a pas fini. Fatigué. Où est-ce que tu vas? Je tu te trompes. S'il te plaît. On y va. Ce n'est pas de la nourriture. Hein? Ce n'est pas viens finir ce que tu as commencé. Je ne peux pas c'est le pas finir. Assez. Mon grand-père ne l'a pas fini, donc je ne peux pas le finir moi aussi. Je ne peux pas le finir. Ne tue pas Dekobi. Non, je ne viendrai pas à l'intérieur. Tu dois finir ce que tu avais commencé. Pas que ce... Hein? N'ai-je pas essayé? Oh. J'ai fait un, j'ai fait deux, j'ai fait trois. Tu n'as pas de force. Tu n'as pas de force. Mais tu étais quand même allé m'épouser. Je ne veux pas venir à l'intérieur. Je suis fatigué. Ne me tue pas. Ne tue pas, Dekobi. Tu n'as pas fini. Je dis que je suis fatigué. Entre à la Elisa, maison. Elisa, laisse-moi. Ne tue pas, Dekobi. Je dis que je suis rentre fatigué. À la maison. Je suis fatigué. Entre à la maison, on y va. Pas question, ne tue pas, Dekobi. Je suis fatigué. Viens finir ce que tu avais commencé. Je suis fatigué. Ok. Pas de problème. Tu t'es enfui. On verra. Obi, mais qu'est-ce qui se passe? C'est quoi? Ogini?
Ebere. Je veux dire, qu'est-ce que j'ai fait malgré le fait que je t'ai énormément aimé? Ne sais-tu pas que ce n'est pas du tout propre de faire arrêter une femme mariée? Sais-tu comment mon mari sera vexé de nous voir comme ça? Est-ce que tu le sais? Quel mari? Quel mari? Mari absurde! Quel mari? Est-ce qu'il t'aime réellement ou bien c'est l'enfant qu'il veut? Est-ce qu'il t'aime réellement? Je t'aime, pourquoi tu ne me comprends pas? Je t'aime énormément. Écoute-le. Obimele, tu essaies de jouer à mes sentiments. Tu crois que tu vas réussir? Crois-tu vraiment réussir à le faire? Hein? Pourquoi tu m'as arrêté? Parle! Tu vois, je t'aime toujours. Du fond de mon cœur, je t'aime toujours. Et je suis prêt à t'accueillir si tu l'abandonnes. Je jure Dieu, je t'aime toujours. Je vois que tu es malade. Certainement tu es ivre. T'es ivre! La prochaine fois que tu m'arrêtes en route, cette fois-là, Obimele, zinzin, libère ma route. N'importe quoi. Ebere. Quelle est la foudre, ça bat sur toi. Ebere. Mais je ne sais pas, je n'arrive pas à l'enlever de ma pensée. Hein? Oh, Gouzi, c'est quoi ce genre d'amour? Regardez la façon dont elle me traite. Pourtant, je l'aime toujours. Ah, allélé. J'ai faim, je dois manger quelque chose. C'est ça la salutation ou quoi? Je peux voir que tu as un problème. Ne m'énerve pas, Edikobi. Je dis que j'ai faim et tu me demandes si c'est une salutation. Donne-moi à manger! Sois fâché, je m'en fiche. Je suis fatigué de tes foutaises. Est-ce que par hasard tu as ouvert cette chose, cette stupide bouche, pour me dire que je peux me fâcher si je veux? Es-tu malade? Oh. Hein? Tu insultes Edikobi. Comment oses-tu me donner cette réponse, idiot? N'importe quoi. Aïe! Aïe! Elisa! Aïe! Naï, qu'est-ce que tu as? Aïe! Naï! Quoi? Tu es un idiot. Tu épouses une femme et tu ne sais pas prendre soin de lui. Je m'en vais. Ta tête? Hey! Aïe! Naï, attends, enlève ta main, laisse-moi bander la plaie. Allez, doucement. Ça me fait mal, ça me fait mal, ça me fait mal. Je sais, laisse-moi voir. Allons allez. Derrière la cour, derrière la cour. Ok, mais ça me fait d'accord. Mal, ça me fait mal, allons derrière la cour. Thank you.
C'est quand? Vous êtes déjà à l'hôpital? A-t-elle accouché? Ok. J'ai fait la pepper soup. J'arrive. D'accord, j'ai fini vite. J'arrive. Félicitations, monsieur Chike. Elle a finalement mis au monde. Ah, oui. Notre bébé? Exact. Notre bébé? Oui. Allez, c'est parti. Oui. Hey! Choukou Kadibia! C'est pourquoi je pars toujours de toi. Tu veux me tuer avec la nourriture et la boisson? Et c'est depuis le matin. Mon frère. Hey! Nous devons célébrer. Tu sais ce que Dieu a fait pour moi. Choukou Kadibia. Hey, mon ami. Tu seras mon ami dans ma prochaine vie. Ta! Hey, tu le seras. Laisse-moi que je t'apporte encore d'autres. Ça, c'est pas suffisant? Je t'apporte non, encore. Non, c'est bon, Chika. On arrête là. Je suis déjà plein pour l'instant. On boira plus tard. Si je crée encore de l'espace pour l'instant, et bois encore jusqu'à... Choukou Kadibia, je finirai ton argent. Tu me connais très bien. Oui, tu me connais très bien. Mais hein? le feu. Ça va. T'inquiète pas. Je veux bien, tu me connais bien. Oui, je veux bien. Les jambes là vont tenir jusqu'à la maison. Je suis debout, n'est-ce pas? Ok, hein? Je vois. Oui, je suis fort. Je vois que tu es debout. Toi là, tu es fin. Choukou Kadibia. Oui, hey! Ok. Hein, Chikadibia, bon, Chikadibia. Okay. Hein, mon cher, hein? Ça va aller. Pour ce soir. Marche lentement. Hein? Doucement. Ouais, bon. Allez, moi, doucement. Je m'en vais. Doucement. T'inquiète pas. Ok. Je vais bien. Mon cher. Ma femme. On doit parler. À propos de quoi? Hein? Pourquoi tu me laisses dans cette petite chambre pendant que toi et Ogochi, vous dormez dans cette grande chambre? Mais c'est pour cela que tu n'arrives plus à dormir. Y a-t-il quelque chose qui a changé? Je suis maintenant une mère. Je mérite d'être bien traitée. Je suis censée dormir avec toi et l'enfant dans la même chambre. Ebere, s'il te plaît, on peut en parler de ça après. Très tôt. C'est comme ça que tu l'appelles? C'est très tôt pour que je réclame mes droits, c'est ça? Hein? Arrête, c'est trop tôt pour ça. Il n'y a rien qui a changé dans cette maison. La maison reste la même. C'est tout ce que tu as à dire. Ok, bien, je te laisse cette nuit.
À partir de demain, si tu ne trouves pas la solution à ces problèmes, tu n'aimeras pas ce que je veux faire. Qu'est-ce que tu as dit? Oh, tu es un perdant. Tu es un perdant. Attends et tu verras. Il y a plus de mener. Gars, va-t'en, dégage. Dégage ici. Que penses-tu que tu peux me faire? T'es un perdant, oh yebo. Inéimegu, tu as chance, sinon j'allais te cogner avec ma tête. N'importe quoi. Mary. Mary. Obi, bien, j'espère que tu sais que c'est Dekobi au téléphone. Écoute-moi très bien. Si j'apprends que tu as encore mis tes pieds sur ce terrain, hein, tu disparaîtras de cette communauté. Tu m'as entendu? Bien, bien, éloigne-toi de ce terrain. Naï. Hein, bienvenue. Merci. Hein, Hébert était venu ici? Non, pas du tout. Elle n'est pas venue ici. Mais Chika dit qu'elle s'est enfuie avec le bébé. Hein? Je pensais qu'elle était ici. Non, elle n'est pas venue ici. Ah! Mais où peut-elle bien aller? Attends une minute. Chika t'a dit que Béré a fui avec le bébé? Oui. Comment ferait-elle une telle chose? C'est ce que je ne comprends pas. Mais attends, es-tu sûr que Chika n'est pas en train de faire un jeu? Hein? Non, Naï. Comment peut-il faire une telle chose? Mais laisse-moi aller à la maison pour confirmer. Ok, fais-le s'il te plaît. Naï, hein? Je m'en vais rapidement chez lui. Je reviens. Chai. Chika. Et Berry. Fuir avec le bébé? Quelles sont ces choses qui arrivent à aider Kobe? Qu'est-ce qui se passe au juste? Hiya! Chukwu Kadibia,
C'est quoi cette tête? Tu as l'air inquiet, dis-moi c'est quoi? Mon cher, as-tu vu ma femme? Ta femme? Oui. Ta femme? Ah, je pensais que tu m'avais dit qu'elle était allée au monastère. Je ne parle pas d'elle, je parle des mères, tu l'as vu? Héberé, non, je ne l'ai pas vu. Qu'est-ce qu'il y a? T'as pas vu Héberé? Mais non, veux-tu me forcer à dire que j'ai vu ta femme? Je ne l'ai pas vu, oh. Qu'est-ce qu'il y a? Tu n'as pas vu Héberé? Tu n'as pas vu Héberé, mon fils? Je n'ai vu personne qui ressemble à Héberé. Toute la journée, dis-moi ce qu'il s'est passé. Tu n'as pas vu mon fils? C'est une blague ou quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Cet homme est mort. Parle-moi, je suis ton ami. Qui est mort? Il est mort. Il est mort. N'arrête pas cette fois-ci. Va te battre tout seul. Ah, est-ce que je dois vraiment te supplier pour que tu me parles? Hein? Parle-moi, tu ne veux pas parler. Va te battre seul alors. Va te débrouiller seul. Je ne veux pas t'arrêter cette fois-ci. Obimere, sors dehors. Sors ici et je veux l'explication maintenant. Mon cher, je ne suis pas là pour ça. Mon cher, où sont ma femme et mon enfant? Hey, tu te prends pour qui? Tu vas me faire quoi? Qu'est-ce que tu vas me faire? Dis-moi, tu vas me faire quoi, toi? Tu te prends d'abord pour qui? Regarde, tu te prends pour qui, toi? Tu te prends pour qui? Qu'est-ce qui se passe ici? Je suis à la recherche de ma femme et mon enfant. Je cherche ma femme et mon enfant. Mon ami, avec tendresse, sors tout de suite de ma parcelle. Je dis sors de ma parcelle tout de suite. C'est entre lui et moi. J'ai dit sors tout de suite de ma parcelle. Je te demande, ma femme et mon enfant sortent ici? Chica, je te préviens pour la dernière fois. Sors tout de suite de ma parcelle. Pardon. Écoute, toi je te respecte. Regarde, ce n'est pas encore fini. Ce n'est pas encore fini. Je cherche d'abord ma femme et mon enfant. Ok. Tu vas me sentir. Mon ami, je venais même chez toi là. Et toi aussi, arrête de m'embrouiller. Arrête de m'embrouiller. Laisse-moi partir. Mais reviens. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? La machette là, c'est pour faire quoi? C'est pour aller tuer quelqu'un? Ce n'est pas encore fini. Ce n'est pas fini. Qu'est-ce qui se passe? Obimere continue. Oui. Comment? Oui. Qu'est-ce que c'est? Tu sais pas ce qui va arriver parce que le sang va couler. Arrête d'agir comme un chien. Le sang va couler aujourd'hui. Tu vas sentir. Je ne suis pas un petit enfant ici. Ça va couler. Obimere, viens jouer avec moi. Attends aujourd'hui. Ok, Chukwu. Désolé, Chika dit bien, qu'est-ce qu'il y a? Dis-moi ce qu'il se passe. Héberé a pris mon enfant. C'est ça le problème. Héberé est parti avec l'enfant. Oui. Va aller voir chez son papa. Elle doit sûrement être là-bas. Elle n'est pas là-bas. Mais où est-ce qu'elle est partie alors? Où? Écoute, Obimere, c'est mon fils. Alors, comment es-tu sûr qu'Obimere... Je suis sûr. Quand je venais, j'avais vu Obimere. Il était là. Il m'a dit que je suis un loser. Et lui, il est un gagnant. Je vais chez moi uniquement pour trouver une note pour Ebele. Elle doit me dire où est-ce qu'elle a laissé mon enfant parce qu'elle n'est pas chez ses parents. Où est-ce qu'elle peut être? Dans la maison d'Obimere. Cela n'est pas possible. Elle est dans la maison d'Obimere. Elle peut être allée quelque part d'autre. Elle est peut-être ailleurs. Je suis sûr qu'elle est là-bas. Elle est là-bas. Mon cher, je n'ai pas le temps pour ça. Obimere, quel genre de fils es-tu? Es-tu toujours le fils de ton père? Hein? Quelqu'un t'a ravi ta femme de tes mains. Et cette personne se permet de venir dans cette parcelle, ma parcelle, en train de crier par-ci, par-là. Et tu étais là, en train de le regarder. Hey! Quel genre de truillard? Quel genre de fils es-tu au juste? Tu n'es donc qu'un peureux? Hein? Hey! Quelqu'un va mourir aujourd'hui. Tu vas mourir. Quelqu'un va mourir. Toi, tu vas mourir. Où est mon enfant? Où est mon enfant? Chica, où est ma femme? Dis-moi où est ma femme? Je vais te couper en morceaux. Où est mon fils? Obi? Maman, c'est le fait sur la montagne. C'est le fait sur la montagne, maman. Le fait? Maman, tu sais que Chica est mon ami, n'est-ce pas? Oui, je sais. Mais je peux me taper la poitrine pour te dire que Chica a complètement perdu la tête. Elle est devenue fou. Ah! Chica est devenue fou?
Comment? Maintenant là, chez lui? Maman, maintenant là, Chika est allé battre Obimere avec une machette. Avec une machette. Ah. J'ai fait de mon mieux pour l'arrêter, mais je n'ai pas pu. Mais il ne m'a pas écouté. Pourquoi fait-il cela? Pourquoi? Si tu me demandes, moi non plus je ne sais pas, je me demande comme toi. Où est Béré mon fils? Où est Béré mon fils? Où est Béré mon fils? Je vais te tuer, je vais te tuer. Où est Béré mon fils? Je vais te... Ah! D'où provient ce son? Ike! 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 Oui, docteur, comment va-t-il? Vous l'avez emmené trop tard. Nous avons fait de notre mieux, mais... Docteur, comment va-t-il? Ça signifie quoi que je l'ai amené tard? Parlez-moi, comment il va? Comment va-t-il? Est-ce qu'il va bien? Nous avons perdu. Quoi? Excusez-moi. Non, ce n'est pas possible. Chukuka dit bien, mort. Non, mais docteur, attendez s'il vous plaît. Oti, tu as tiré sur mon beau-fils et tu es là en train de te relaxer. Oti, pourquoi ne devrais-je pas me relaxer? Ne sais-tu pas ce qui s'est passé? Personne ne te l'a dit. Je suis juste allé dans ma chambre. Puis j'ai vu quelqu'un avec une machette essayant de sauter par la fenêtre. Et quand je l'ai confronté, il a voulu me couper avec cette machette. Oh oui, alors je devais me défendre moi-même. Voilà ce qui s'est passé. Oh, tu sais très bien qu'au fond de toi que tu es en train de mentir. Maintenant, laisse-moi te dire. Tu ne vas jamais t'en tirer dans cette histoire. Qui tue par l'épée, mourra par l'épée. Tu ne te tireras pas de cette histoire, Oti. N'importe quoi. Tu as tiré sur mon beau-fils. Tu ne t'en tireras pas si facilement. Au juste, ton beau-fils, que faisait-il dans ma chambre? Que faisait-il au juste dans ma chambre? Avec une machette. Hein? Il voulait vraiment m'attaquer, moi. Tu entendras parler de moi. Allez, va-t'en. Oh, si tu entendras parler de moi. Va-t'en tout de suite. Tu n'es qu'un sale idiot. Il n'y a rien que tu puisses faire, toi. Sache que tu n'es qu'un sale idiot. Tu ne me feras rien du tout. Pas de problème. Ma mère à mort peut faire plus que toi. Réjouis-toi donc. Je suis dans ma maison. Ça, c'est pour bien. Pour qui est-ce que vous vous prenez comme ça? Vous ne pouvez rien me faire. Je suis dans ma maison. Obimere, viens ici. Papa, je veux quitter cette communauté. Pourquoi? Ils peuvent en vouloir à ma vie. Oh. Tu viens de voir quelqu'un qui n'a pas peur de mourir. Tu veux maintenant laisser ton père pour t'enfuir, afin que quand ils viendront, tu puisses me prendre directement. Papa, je veux pas que quelque chose m'arrive. Rien ne va t'arriver, mon cher ami, je suis ici. Qui va te tirer dessus? Je suis ici, personne ne va tirer dessus. Mon ami, remets-moi cette histoire à l'intérieur. Et qui t'a raconté que je suis à la fin de ma vie? J'ai encore plein d'autres années devant moi. De quoi est-ce que tu parles? Mon ami, remets-moi tout ça. Tu n'iras nulle part. Personne n'ira nulle part, remets-moi ce sac. On appelle ça autodéfense. N'importe quoi. Rien ne va t'arriver. Rien du tout. Je suis ici. Ceci est ma maison. Qu'ils aillent tous en enfer. N'importe quoi. Ike, qu'est-ce qui s'est passé? Tu as l'air très terrible. Chika est mort. Chika, quoi? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Chika a été tué par le père de Bimere. Comment? Pourquoi? Ils se disputaient ou quoi? Ebere a fui avec l'enfant de Chika. Alors Chika a pensé que elle était chez Bimere. Comment? Non! Il est parti les confronter et on l'a tiré dessus. Non! C'est non, la vérité. Non! Non. Chukuka dit bien. Est mort. Non. Chukuka dit bien mort. Non. C'est vraiment comme un rêve. Non, je ne peux pas perdre mon ami juste comme ça. Non. Non, ces gens doivent payer pour ça. Non, Chika. Non. Ebere. Qu'est-ce qui se passe-t-il?
Ogini, qu'est-ce qui se passe? Quelque chose de terrible s'est passé. Eh bien, je t'ai prévenu, mais tu n'as pas écouté. C'est quoi le problème, non? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu as l'air aussi effrayé? Quelque chose de terrible vient se passer. Quelque chose de terrible s'est passé, Ebere. Y a-t-il une personne qui est morte? Je crois que tu n'as dit à personne que je suis ici avec mon enfant. Oh. Ebere, c'est pas ça le problème. Ebere. C'est quoi alors le problème? Ebere, Chika est mort. Ebere, Chika est mort. Ah non. Ils sont en train de plaisanter. Ebere, je ne plaisante pas. Dis-moi que c'est une plaisanterie. Ebere, Chika est mort. Qu'est-ce qui se passe, papa? Calme-toi, calme-toi. Pourquoi elle pleure? A-t-elle perdu le bébé? Ça ne concerne pas le bébé. C'est quoi alors? Nous avons perdu Chika. Désolée. On a perdu qui? Désolée. Chika. Désolée. Papa, c'était pas pour te plaisanter. Quelle Chika? Calme-toi. Quelle Chika? Calme-toi. Ugochi, calme-toi. Je t'en prie, assieds-toi. On a perdu qui? On a perdu qui? Quand? Comment? Ugochi, s'il te plaît, viens. Oh, papa! Assieds-toi. Qu'est-ce qui se passe? Assieds-toi et calme-toi, s'il te plaît. Je t'en prie, viens. Hey! Les bandes. C'est très triste. C'est pathétique. J'ai vraiment l'impression de rêver. Hein? Donc les choses se sont passées comme ça. Chika est mort juste comme un lézard. Hey! Mon Dieu! Hey! Nai! Où est-ce que tu vas? Nai! Nai! Écoute, personne n'ira nulle part, nous allons tous rester ici. Ah! En fait, c'était juste un accident, rien de plus, hein? On va pas s'inquiéter pour eux, qui l'aille se faire foutre, c'est tout. Hein? Ça ne dit qu'un accident, rien de plus. Oh, vous auriez dû attendre. Je reviendrai pour obtenir ma part de la chair. Vous auriez dû attendre. Je reviendrai pour me venger. Je suis été commis, personne ne me met en défi, reste impuni. Vous avez mis Dekobi au défi, vous aurez la pièce de votre monnaie. Non mais j'ai pensé que c'était qu'un accident. Pourquoi est-il venu dans ma... Que j'ose seulement te revoir encore dans cette parcelle. Ah, c'est quoi, c'est n'importe quoi. Ose seulement revenir ici. Qu'est-ce qu'il y a encore? Qu'est-ce qu'il y a encore? Dis-moi, regarde-toi. Tu as laissé ton père et tu t'es enfui pour que je meure. Regarde-toi, hein? Tu es sérieux dans ce que tu dis? C'est vraiment toi qui me dis ça. C'est toi qui me dis ça. Regarde comment tu as fouillé un simple pistolet. Un simple pistolet, regarde-toi. Tu t'es enfui en laissant ton père mourir pour un pistolet. Simple pistolet. Regarde-toi. Tu as préféré laisser ton père mourir juste comme ça. Pour un pistolet. Pour un simple pistolet. Un simple pistolet, mon fils. Sortez ici. Avancez. On y va. Par ici, monsieur. Qui se prend, hein? Allez, avancez. Allez, on y va. Avance. Par là. Avancez, par là-bas. Vite. Un ancien. Dépêchez-vous. Par là. Un ancien. Vite. Allons-y. Avancez, monsieur, par ici. Dépêchez-vous, dépêchez-vous. Je dois te finir. Aidez Kobi, où vas-tu comme ça? Je dois finir Obi Mere. Je dois mettre fin à sa vie. Tu n'as pas besoin de faire ça.
D'ailleurs, il a déjà été arrêté. Police ou pas de police, arrêté ou pas, je dois tuer Obi Mere. Il doit mourir par les balles qui sortent de mon fusil. Bah, ça te regarde. Ça te regarde, je te préviens, ça te regarde. Je t'aurais prévenu, oh. Qu'est-ce que tu me dis? Hein? Est-ce que tu sais que tu as contribué à sa mort? Tu sais ça? Pourquoi tu m'as pas dit ça depuis tout ce temps? Et que comment aurais-je pu savoir? Comment? T'entends-tu parler au moins? Comment tu l'aurais su? Hein? Laisse-moi maintenant te clarifier ceci. Toi, Ebere, est aussi à la base de la mort de mon cher ami. Mais sachez aussi que... Non, attends! Attends! Je veux aussi me rassurer que toute la jeunesse te donne 50 coups de fouet. Alors tu vas revenir sur tes sens. C'est quelle bêtise comme ça? Et que je suis désolé. Très très désolé. J'ai prévenu Ebere, mais elle n'a pas écouté. J'essayais juste de protéger une amie. Mais tu as aidé une femme. Mais tu es un homme. Tu essaies de protéger une amie. Tu étais supposé utiliser tous tes sens. Où est le bébé? Où est le bébé, dis-moi? Il dort à l'intérieur. Je n'ai encore rien à te dire. Le temps que je finisse avec les jeunes. Je suis désolé. Je suis désolé. Tu t'es caché. C'est à cause de toi que Chika est mort. C'est bon, ma chère. Calme-toi, ça va aller, ok? Tu m'as trahi. N'est-ce pas que tu m'as assez choqué? N'est-ce pas que j'ai assez souffert? Qu'est-ce que tu dis? Je ne te pardonnerai jamais. Jamais. Tu n'auras jamais mon pardon. Toi, moi, tu es resté avec une consolation. Tu es resté avec un enfant qui va te consoler. Qui va me consoler. Mais qui n'a pas d'enfant. Je n'ai plus de mari. Mon mariage est brisé. Ebere a brisé mon mariage. Ebere a détruit mon foyer. Ebere m'a trahi. N'est-ce pas que j'ai assez souffert? Ça va aller, ça va aller. J'ai assez souffert dans ça ces souffrances. Ça va aller, je suis arrivé au bout. Calme-toi, s'il te plaît. Mon ami. Mon Dieu. Eddie Kobe, je t'attendais dans la maison de ta belle famille. Attends, qu'est-ce que tu fais avec une arme? Nous allons nous engager dans un combat sans toi. Non, non, on n'en a pas besoin. Tout ce qu'on doit faire maintenant, c'est de consoler Ogochi. Elle a le cœur brisé, elle est détruite. J'aurais dû arrêter ça.
aider Kobe. Ceci n'est vraiment pas le moment de te blâmer toi-même. Tu n'as vraiment pas besoin de te blâmer comme ça. Si Dieu n'avait pas permis cela, ça ne serait pas arrivé. Ça va aller, mon ami. Ça va aller. Je t'en prie. Aidez Kobe. Ça va aller. Sois fort. Patience. Mon cher ami, patience. Aidez Kobe, mon ami. Tu es donc aussi drôle que ça? Bien, qu'est-ce qu'il fait ici? Calme-toi, Aidez Kobe. Calme-toi, mon cher ami. Je me suis calmé. Je me suis calmé. Aidez Kobe. Je sais que je vous ai causé à toi et à ta famille beaucoup de douleur et de douleur. Mais Bigobé, pardonne-moi. Tu vois, si j'étais une mauvaise personne, je ne pense pas que j'aurais témoigné contre mon père devant ton père qui avait tiré son chica sur le fait de ton père. Je n'aurais pas fait ça. S'il te plaît. Il a été sincère, oh. Merci bien, aidez Kobe. C'est sûr que dans ses phrases, il avait bien mentionné tentative de meurtre. C'est comme ça qu'on l'appelle? Exact. Tentative de meurtre? Oh, aidez Kobe, peux-tu juste garder silence et me permettre de terminer? Qu'est-ce que tu veux me dire d'autre qu'il a été condamné à une peine de prison pour tentative de meurtre? Il a tué Chica. Hein? Et cela est la décision du tribunal. Nous sommes ici afin que tu lui pardonnes. Allons-y. Hein? Je suis Aidez Kobe. Ce sont mes affaires familiales. C'est bon. Il n'a rien à voir dans mes affaires aussi longtemps que je suis concerné. Ce sont les affaires familiales d'Aidez Kobe. Aidez Kobe. Ouais. Tu es mon meilleur ami. Obi Mere ici présent, ainsi que moi, sommes ici pour que tu lui pardonnes. Il a témoigné contre son propre père. Calme-toi et pardonne-lui. Aidez Kobe, arrête ce que tu dis. Arrête ce que tu dis. Arrête ce que tu dis. J'étais rentrée à la maison. J'étais chercher toi et les bébés. Partout. Comme je ne t'ai pas trouvée, je me suis dit que je viens te chercher chez maman. Te voilà. Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi tu ne viens pas chez moi? T'es-je offensée? Grande sœur, s'il te plaît, prends place. Héberé, Héberé, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu as quitté la maison, toi et les bébés? C'est trop vaste. Je crois que je dois mettre fin à tout ceci. Héberé, tu sais que cet enfant nous a apporté beaucoup de bonheur. Pourquoi tu dis ça? Hein? Ça veut dire quoi? Hein? Je te les donne, grande sœur. Je sais que tu feras de lui un bon homme.
Appelle-les ton fils. Qu'il t'appelle mère, lui aussi. Je ne saurais être heureuse en train de vivre avec toi et Chika. Comme mon mari. Non, ce n'est pas ce que je veux pour moi-même. Ibiri, alors laissez-moi faire ma vie. Abandonnez tout ceci pour que je sache comment accomplir ma destinée. Ibiri, qu'est-ce que tu essaies de dire? Ibiri, où vas-tu? Je vais nulle part, grande sœur. Je veux juste que tu sois heureuse. Tu me fais autant confiance en me donnant l'enfant. C'est ton fils. Ton sang. Oh mon Dieu. Non, Ibiri, dis-moi, je suis dans un rêve. Non, je n'en reviens pas. Chika, qu'est-ce qui se passe ici? Je suis en train de rêver. Non, tu ne rêves pas, c'est la réalité. En fait, la morgue avait remarqué qu'il respirait encore. Alors on l'a amené rapidement à l'hôpital. Il est vivant? Oui, il est en vie. C'est quoi tout ceci, Chika? Chika, es-tu vivant? C'est toi, mon chéri Anos. Désolé, oh mon Dieu. Mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Ibiri, viens voir Chika. Chika est vivant. Ibiri, viens dire à Chika tout ce que tu viens de me raconter ici. J'ai entendu. Suis-je dans un... J'ai tout entendu. Ibiri, merci. Merci. Chika. Ibiri nous a donné l'enfant. Ibiri, dis-le-lui. Raconte-lui tout ce que tu viens de me dire. Merci beaucoup. Non, je n'en reviens pas. Merci que les choses se terminent comme ça. Je suis vraiment heureux. Non. Non. Mais ce n'est pas possible. Je ne crois pas à mes yeux. Il est trop mignon. Non. Oui. Non. Tu le bébé. C'est donné le bébé, l'enfant. C'est béni des enfants. Et que nous soyons encore ensemble. Je suis très désolé. Pardon. Obi Mere, laissons passer par les vents tout ce qui est arrivé et focalisons-nous sur un avenir brillant. Je veux que tu aies été préparée pour m'avoir comme ta femme. Je t'attends, toi et ta famille. Ouais, Asuko. Manka Nako, elle a dit qu'elle attendait que je vienne voir ses parents. Hey, oh, oh, Ogenete. Allons. Papa doit apprendre ça. Aidez Kobe. Personne ne donne des ordres dans ma maison. Ouais. Personne ne dit quoi que ce soit. Oui. Dans ma maison, je suis Aidez Kobe. Aidez Kobe n'attend de personne ou que ce soit qu'il lui dise comment gérer les affaires de sa famille. Aidez Kobe, peux-tu arrêter ça? Arrête avec tes stupidités là. C'est vrai ça. Oh! Mes anciens, je vous salue tous. Bienvenue. C'est vraiment un grand jour. Ah oui, oh! Où sont les autres? Oh, vous parlez de Chika et sa femme, c'est ça? Ouais. Ils seront là bientôt. D'accord. Allez, t'as toujours des choses? Faire attendre. Oui, c'est vrai. Commençons. Oui, tu as raison. On peut déjà commencer. Ils vont nous trouver ici. Ça, c'est vrai. Ha! Vous voyez comment le ciel est clair? Et wow, c'est vraiment un grand signe ça. Hey, c'est vraiment un jour spécial aujourd'hui. Très bien. Où est notre femme? Noma! Nomae! Dépêche! On t'attend déjà ici. J'ai déjà pris.
Mais laisse au Bodo. Ceci, c'est aussi sa maison, non? Ah, c'est ça. Laissez-moi prendre encore. C'est un jour spécial aujourd'hui. Je vous salue tous. Vous allez bien? Hey, yo. Nai, tu m'as appelé? Ouais. Fais venir notre fille. Qu'elle vienne saluer nos beaux. D'accord. Fais vite, fais vite. Et des Kobe. Obodo. Il y a quelque chose que je voulais dire. Mais attendons un autre jour. Vas-y. Okay, mais pas aujourd'hui. Ça doit être reporté à un autre jour. Et des Kobe. Mais on pouvait aussi le faire seulement aujourd'hui, non? On va attendre un autre jour. Et wow, regardez-moi celui-ci. Ta fille est là. Oh, Malécha. À mon moment, Saru. Et des Kobe. Obodo, tu veux te parler ici? Oui, grand frère. Et où? C'est vraiment du bon vin. Ça sent bon. J'ai envie de boire tout le vin que je vois là. Je peux tout boire. Obodo. Merci. Bois, mon frère. Ebere. Papa. Avance. Mets-toi jeune. Bien. Prends cette boisson. Bien. Maintenant, va nous montrer l'homme-là qui a gagné ton cœur et avec qui tu veux passer le reste de ta vie. La voilà qu'elle est souriante. Allez, viens me les donner. Elle est vraiment heureuse. Oh oui, ça c'est vrai. Elle est très ça, heureuse. Ça c'est vrai. Comme elle est souriante. Attendons voir ça. Oh voilà. Et des Kobe. Vous avez vu ça? Ça m'a rappelé quelque chose. Maintenant, allons-y. Vers toi. Allons-y. À genoux, les deux. Ndeba ikwenu. Kwezwenu. Aujourd'hui est un nouveau départ dans votre vie. Oui, c'est vrai. Aujourd'hui est le jour où vous êtes joués ensemble en tant qu'époux et épouse. C'est ça. C'est vrai. Comme votre mariage est approuvé par l'homme, il est aussi approuvé par le Dieu Tout-Puissant. Bam. Votre mariage sera paisible. Votre mariage sera béni. Béni de bonne santé. Béni avec des enfants. Le studio de doublage d'Aforevo vous propose des services de doublage haut de gamme dans plusieurs langues, dont l'anglais, le français, le swahili, le lingala, le haoussa, le yoruba, le ibo, le tui, etc. Il vous propose également le service des événements directs, des films, des animations, des documentaires et des séries, des publicités radio et télévisées, ainsi que de contenu vidéo en ligne. Nos studios de classe mondiale sont dotés d'équipements HD de pointe. Notre siège social se trouve à Lagos, au Nigeria. Vous pouvez nous joindre via notre email dobbing@aforevo.com, sur Instagram aforevo.dobbing, sur notre site web www.aforevo.dobbing.com ou nous appeler sur 01 51 55 98 19 précédé du code +234 si vous êtes à l'extérieur. Aforevo, le guichet unique pour tout divertissement. Oh,
From one problem to the other, the sopu wa biala bemo touch you dey. Oh, when you funny na na oh. Hey, I'm calling you. Hey, alene libo na no boy. Hey, onye kamu ya kolonu. Hey, hey, obone. Nka kono ne kofodo ne oh. From one problem to the other, so we'll be able to